On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, pour ceux qui me suivent sur Snapchat et sur Instagram, vous avez pu voir que je suis encore embêté avec ma boîte de transfert. Donc, là, elle revient de chez Master Forest. Donc, c'est mon pote Ludo qui l'a entièrement révisé. Et c'était... en gros, il y avait juste un circlips qui était barré. Donc, du coup, ça faisait pas le verrouillage. Donc, maintenant, normalement, c'est bon. Donc, on va remonter ça. Je suis en train aussi de faire mes mises à l'air pour mes ponts. Pour pas être emmerdé parce que tout à l'heure là j'ai vidangé la boîte et on peut voir que voilà elle est pleine de merde. Donc je vais mettre un peu de gasoil dans la boîte, je vais le faire tourner 2-3 minutes et je vais revidanger. Donc voilà, donc je vais faire mes mises à l'air. Je vais mettre ça jusqu'à là, je vais m'éteinter et puis je vais faire remonter ça jusqu'au moteur. Donc j'ai également acheté une protection pour le réservoir. J'ai acheté une protection pour la boîte de transfert aussi. J'ai changé mon joint du nez de pont. Parce qu'il fuyait. On peut voir qu'il y a pas mal de fuites là-haut, même ici. Voilà, voilà. Donc après, je vais avoir mes joints de bol à faire. Parce qu'ils sont morts de chez morts. On peut voir que là, il y a une fuite. Je vais faire mon joint speed arbracam. Parce que ça me met de l'huile partout. Donc c'est lui qui fuit. Et puis voilà, donc pareil, les roulements de roues à changer. Mais bon, tout ça c'est fourni dans le kit. Alors, dans le kit de chez Master Forest qui est ici. Hop. On voit. Il y a tout. Enfin, franchement, pour 110€ le kit, je trouve que ça fait pas cher, sachant qu'il y a déjà deux roulements de roues, tous les roulements de pivot, tous les joints. Donc c'est quand même une bonne affaire. Donc voilà. Donc on va se remonter ça. Puis bah après, je pense qu'on va plus trop être emmerdé. Hein. On va avoir un peu fait le tour. Hop, j'ai mis mon petit feu de recul juste là. Ma plaque ici. Après, je changerai ma plaque. Je mettrai un pare-choc au froid ici. La plaque, je la remettrai bah, du coup ici. Et je remettrai ma roue de secours. Voilà, donc... Donc voilà, on va se faire ça tranquillement. J'ai été acheter des raccords pour mes mises à l'air, du tuyau. Donc là, on va vidanger mon pont. On va faire une vidange de pont pour repartir sur de bonnes bases. Et là, ça va être triste qu'on va avoir l'huile. Gueule de l'huile sans déconner. Donc pour voilà pourquoi je veux mettre mes mises à l'air en haut, parce qu'il y a de la merde qui s'est accumulée là dedans donc par les mises à l'air qu'il y a ici. Et donc du coup ça fait vraiment dégueulasse. Donc voilà, la boîte de transfert est remontée. Hop. Donc les arbres sont montés aussi, impeccable. Donc, l'huile du pont. Donc là, quasiment fini de s'égoutter. Du coup, je vais mettre un peu de gasoil dedans et je vais faire tourner le véhicule. Là, je fais tourner le 4x4 avec du gasoil dans le pont et dans la boîte de vitesse. Pour complètement la nettoyer. Ça va être la découverte. Voilà la découverte de l'huile de la boîte de vitesse avec le gasoil. Ouais, le gasoil il est pas trop sale. Il y a pire. J'y connais pire. Alors maintenant, la couleur de l'huile de pont avec le gasoil mis dedans. Wow. J'ai fait un bon petit nettoyage dedans. Voilà, donc mes mises à l'air
Ma mise à l'air du pont arrière, elle est faite. Donc je fixe ça tout simplement ici avec un brise-jean. Ma mise à l'air de boîte de transfert. Hop. Donc là, j'ai percé un trou ici. Moi, j'ai percé un autre trou à côté parce que je voulais faire remonter ma boîte de ma mise à l'air à côté. Mais bon, je vais la relier avec le pont avant. Alors du coup, donc j'ai enlevé les cylindres blocs. Donc c'est bien, donc c'est comme ça qu'il faut faire. Donc il faut enlever les cylindres blocs partout, les trois cylindres blocs. Hop, je vais monter le cric. Alors je vais le mettre où? Je vais le mettre là. Hop. Donc là j'ai été emmerdé sur ça. Parce que la vis elle t'est pétée. Hop, c'est sûr que si je sers pas, je vais pas. Donc voilà. Donc là il faut monter la boîte et mettre le cylindre bloc en fait ici. Donc là ça va être un peu galère je pense. Donc les cylindres blocs, ils sont mis, donc il y a deux tailles. Donc ici, c'est le plus petit cylindre bloc qui va ici. Donc là, c'est un grand, et là, c'est un grand aussi. Donc là, il faut que j'avance un peu la boîte, hop. Et puis on va pouvoir visser derrière. Bon voilà, la protection elle est montée. Tous ceux qui regardent cette vidéo, franchement, si vous avez pas de pont, évitez de vous aventurer là-dedans parce que c'est vraiment, même avec un pont, c'est vraiment galère à monter. Parce que bah, surtout que moi, mon châssis, ici, il était un tout petit peu tordu, donc j'étais obligé de le détendre à la clé. Là, j'étais obligé de couper parce que la vis en haut, elle était complètement, elle était grippée et puis impossible de l'enlever. Donc voilà, bon, bah, au moins cette petite protection elle est montée, donc je vais être tranquille. Alors, donc, on a démonté la distrie. Donc, je vais tout bien nettoyer proprement. Parce que c'est vraiment dégueulasse. Du coup, je vais changer aussi mon joint Speedwheel broquin. Tant que c'est démonté. Donc voilà, j'ai changé les deux joints Speed. Hop. Donc, ça c'est le joint Speed à Brakam. Bon, en soi, il a pas l'air si mort que ça. Mais bon, ça fuyait bien.